pas la même chose, j'espère que vous êtes très bien. On se retrouve ici à Gerland pour le match entre le RCT et le Loup. A tout de suite. Oh, pas tout, ton pronostic. Qui gagne déjà, c'est pas mal. On veut le BO? Non, non, on gagne. D'accord. Même d'un point. D'accord, à tout de suite. Ça commence bien, mais faut continuer. Ah, d'accord. Il a été gentil, l'arbitre. Il aurait pu rajouter 10 mètres. Moi, je suis totalement d'accord avec lui d'avoir sorti le jaune. Non, encore heureux qu'il ne m'ait pas mis cette pénalité. Ouais, surtout. Bon, 31 minutes, t'en penses quoi? Eh ben, c'est très dur. Et l'arbitrage? Et retour oh bon. Sur le terrain. Le cœur fait un secret. Allez, à deux. Alors, il passe. Regarde, regarde, il est hors jeu déjà. Il mène pas à la main. Voilà. À la main volontaire. Et c'est de pénalité. Et puis, carton jaune pour l'autre. Si il est logique, c'est ça. Alors je vois le temps qu'ils mettent pour regarder. Finalité réussie pour le Loup. De notre numéro 10, Jonathan Wisniewski. Tous et la pause, t'en penses quoi? C'est le mauvais arbitre. Et du loup, le match? Ouais. Faut s'y mettre? On a arrêté de jouer après l'essai alors. Bon. Les amis, on se retrouve en seconde période à tout de suite.
Bon alors Patou, t'en penses quoi? Bon, ça va mieux, mais il faudrait qu'on marque encore. Pour avoir le bonus? Non, non, pour être tranquille. Gagner, c'est tout. Bon, mais si on peut prendre le bonus, voilà, j'en prends trois plus. Pourquoi pas s'en empêcher, pourquoi s'en empêcher si on peut le prendre? Ah bah tant mieux. Ça sera mieux. Ouais, je pense qu'on va leur mettre 30 pions. Allez, Gerland 27-12, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du top 14 de Chevalier.